Coucou tout le monde, ça y est, j'ai enfin fini un livre. J'ai fini un Marie-Lise Lark. C'est de Si belles fiançailles. Cette histoire se passe sur 5 ans. Pour commencer, il y a un prologue où dedans, en fait, c'est l'histoire d'une famille. La famille de Kendra, Martin, Bobby et Mindy. Il se passe qu'ils ont une nounou qui s'appelle Caroline. Et sauf que le mari de Kendra, Martin, se fait tuer en rentrant du travail. Et Caroline, qui est sous l'emprise de l'alcool, tout disent « Ah ouais, il a raison, heureusement qu'il est mort, il m'embêtera plus. Enfin, » voilà. Parce que, en fait, faut savoir que Martin, c'est la famille Bell. Martin Bell, en fait, il est médecin. Il a eu des procès qui lui ont été intentés. Et en réalité, quand sa femme, Kendra, lui disait qu'elle allait pas bien, Martin lui disait, ah ouais, t'es folle, et patati et patata, c'est la belle famille de Kendra aussi. Alors, qu'en réalité, c'est Martin qui droguait sa femme. Et il l'a notamment drogué pour embaucher la nounou. Des enfants. Donc Bobby et Mindy, ils étaient tout petits, hein. Ils avaient 3 ans d'écart, donc je crois qu'il y avait Bobby qui avait 4 ans et Mindy qui en avait 2 ans. Après, ça se passe 5 ans plus tard, où là par contre c'est la suite. Donc il y a une émission, ça se passe aux États-Unis, il y a une émission à la télé qui passe qui s'appelle Suspicion. Et là aussi c'est une autre famille. Donc il y a Caroline et Greg. Donc sauf que il y a Caroline, il y a Laurie Morand et Greg. Donc sauf que Laurie Morand, elle a eu son mari qui a été tué. Et pareil, elle ne trouvait pas son enquête. Elle trouvait pas qui était le meurtrier de son mari. Du coup, elle se propose d'aider la famille Bell à identifier le coupable de Kendra, parce que la police, en fait, ils avaient fermé. L'enquête, et ils n'ont pas passé Kendra comme suspect numéro 1. En fait, ils n'ont pas plus tâté le terrain. Sauf que Kendra, en fait, elle dit un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non pour l'émission. Enfin, c'est un peu le bazar. Un coup, elle veut signer les papiers, un coup, elle ne veut pas les signer, tout ça. Et sauf que, un beau jour, il y a Kendra, elle trouve des excuses pour ne pas recevoir Laurie. Au final, elles se trouvent à un rendez-vous et du coup, elles se mettent d'accord. Au final, elles arrivent à se mettre d'accord pour que Kendra assiste à l'émission, fasse partie de l'émission. Sauf que Kendra ne veut pas passer à la télé, être vue dans les caméras. Et donc, elle ne veut pas que Bobby et Mindy, qui ont actuellement 7 ans et 9 ans, ne passent à la caméra parce qu'en fait, elle ne veut pas que Bobby et Mindy grandissent avec le meurtre de leur papa dans la conscience. Et du coup, Laurie, elle mène son enquête. Donc, elle mène son enquête personnelle et l'enquête de cette famille, de Kendra et sa famille. Sa belle famille, du moins. Et un beau jour, Laurie, elle va faire son anniversaire dans un bar. En réalité, ça devait être un rendez-vous pour le travail. Et du coup, c'était une blague, c'est un anniversaire surprise. Sauf que quand elle sort du bar, parce que forcément, Laurie, elle a un petit garçon qui s'appelle Timmy. Et son petit garçon qui a un beau-père, j'en reviendrai dessus après. Et Laurie, elle sort du bar, elle s'est fait piquer son sac à main avec le cadeau d'anniversaire, ce cadeau d'anniversaire dedans. Notamment un cadre avec une photo de son nouveau fiancé. Et du coup, Laurie voudrait piéger donc les coupables. Faut savoir que Laurie connaît le sénateur Liane et son mari Daniel. Faut savoir qu'entre-temps, l'ex de Laurie, Alex, passe juge fédéral. Et Laurie, elle est en recherche d'appartement et se voudrait emménager avec son fiancé avec qui elle va se marier. Du coup, Alex, qui va devenir le beau-père de Tini et Timmy. Parce que en fait, faut savoir que Greg, le papa de Timmy, a été tué 5 ans plus tôt. Et ça fait 2 ans que Laurie s'est reconstruite et a trouvé
un ex, en fait, elle l'a connu en école de médecine. C'est elle qui l'a dépanné, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'avant, Laurie ne présentait pas l'émission Suspicion. Pour Kendra, c'est un peu pareil. Kendra, elle travaille dans le cabinet de médecine de son meilleur ami, qui a eu des procès aussi. Et donc, Laurie, ben, ce soir-là, elle s'est fait voler son sac à main, son téléphone et tout. Son téléphone est jeté. Je ne dirai pas le nom du coupable pour le moment. Ensuite, Laurie décide, avec Kendra, de suivre les deux coupables. Elle suit Liane et Daniel. Et en fait, eh ben, déjà, pour commencer, il découvre que Liane voulait tuer son mari. Que Liane a tué donc Greg Laurent, le mari de Laurie. Déjà, pour commencer, ils appellent la police et tout, parce que les caméras avaient été mises sur les voitures, sur le camion de tournage aussi, parce que Kendra en fait partie. En fait, Kendra fait croire à ces jeunes, un de ces jeunes dealers, en fait. Qu'elle arrive avec le fric et en réalité le dealer se fait arrêter. Le dealer il s'est passé sous le nom de Mike. Le dealer c'est pas Mike, c'est Joe Brenner. Et en fait, eh ben, Joe Brenner avait tué le mari de Kendra. Ouais, Joe Brenner a tué Martin Bell. Donc Joe Brenner est au final arrêté. Et donc c'est Liane et Daniel qui ont tué Greg, c'est ça, c'est bien ce que j'ai dit. Pendant ce temps-là, après la fin du livre, il y a Laurie qui va visiter son appartement, sauf qu'entre-temps, il y a Dio qui la devance, et Dio Brenner voulait l'aller la tuer. Du coup, Dio Brenner s'est fait arrêter. Et je vous dis pas la suite, mais ça se termine très très bien. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de chance sur les livres parce qu'à chaque fois que je lis un livre, une histoire de famille, ça se termine vraiment super bien. Enfin, de si belles fiançailles. Je vous le conseille vraiment. Par contre, après, si vous le lisez qu'un Moxiwan, je vous conseille au niveau des plis, en fait, de faire des gros plis comme ça, de le bien bien le plisser. Ou de le plisser soit à ce niveau-là, soit au niveau des pages, parce que sinon, il vous lit pas cette page-là. Il vous lit la page de droite en premier et la page de gauche en deuxième. Mais quoi comprendre? C'est pas très facile. Après, je vais faire un agata raisin. Et du coup, c'est bien. Les agata raisin, c'est beaucoup mieux à lire avec le Waxy One. Voilà, là, je vais sûrement finir cette semaine l'agata raisin. Parce qu'aujourd'hui, je précise, j'ai qu'un atelier. Voilà, après, ça va aller rapidement vu que ma tablette a plus de batterie. Je pense que. Voilà, ma foi, après, bonne semaine, bonnes vacances, à bientôt être les vacances là. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Et s'il y a un lien qui passe, je le rappelle toujours, je l'ai mis sur Facebook, qui marque envoie-moi cette photo. En fait, c'est un lien pour. Tu as une photo de toi, tu l'ouvres, tu as une photo de toi, une vidéo où tu es dessus. En fait, en réalité, il faut pas l'ouvrir. Ça te sert à. En fait, c'est des voyous qui veulent te pirater ton compte Google ou bancaire. En fait, ils veulent t'usurper ton identité. J'ai un copain qui s'est fait pirater comme ça jeudi, mais il s'en est aperçu qu'hier. Franchement, allez voir sur ma page Facebook et partagez-les. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la page Facebook. Là, ça remonte à la semaine dernière. Pour le Move APF, on a besoin de bouchons Nespresso, des bouchons du café Nespresso, mais en fait, il faut qu'ils soient non vidés. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer à l'IEM Thérèse Bien-Aimée ou à la délégation. Ça servirait pour le mois de juin pour faire des bouchons, donc pour faire des habits en bouchons recyclés, en fait faire des habits recyclables pour un défi, pour un défilé de capsules avec des habits recyclés. Voilà. C'est un défilé, en fait, c'est pour le Move APF. Il en faut beaucoup, beaucoup, et même n'hésitez pas à nous les donner aussi. Ça peut servir, les IS2 ont des projets, les IS1 ont des projets avec les capsules. Nous, les IS2, peut-être. Les IP aussi font beaucoup de capsules avec Virginie, la prof d'IP aussi.
Donc, franchement, n'hésitez pas, voilà, ça peut toujours servir pour quelque chose. Et puis, même si c'est pas pour lui-même, de toute façon, ça peut toujours servir. Bon, bah, à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre votre cloche de notification.